presque au même moment, dans les rues d'Auxerre, près de 600 manifestants crient, eux, leur opposition au pass sanitaire. Tous ne sont pas contre la vaccination, mais tous veulent qu'on leur laisse le choix. Les centres éphémères qui se multiplient, les futures campagnes dans les collèges, pour eux, autant de signes que le gouvernement cherche à passer en force. Déjà, sur le fond, la vaccination n'est pas avérée. Et en plus de ça, on essaye de pousser pour vacciner les enfants, de vacciner de plus en plus jeunes, etc. On ne doit pas vacciner les gens de force et on ne doit pas les inciter à vacciner. Il n'y a pas d'obligation officielle, mais vu les interdictions, c'est une obligation déguisée, c'est tout. Moins nombreux que la semaine dernière, les manifestants devraient se retrouver samedi prochain. Quant aux centres éphémères de vaccination, après les galeries marchandes d'Auxerre et Sens aujourd'hui, d'autres sont déjà prévus à Joigny et Migennes le week-end prochain.